Tapis rouge, pomme de rainette, pomme d'api, tapis gris. Aujourd'hui c'est l'histoire d'un loup. Un loup tout noir, un beau loup tout noir. Mais voilà, c'est le printemps, les fleurs reviennent, les arbres ont des feuilles. Et puis, les petits loups comme lui, ils aimeraient bien se trouver une amoureuse. Pour se raconter des histoires le soir, se raconter des blagues, se faire des bisous. Mais notre loup, il se dit que comme il est tout noir, on le verra pas. Il y a plein d'animaux qui ont plein de couleurs, mais lui, il est tout noir. S'il est tout noir, il trouvera pas d'amoureuse. Alors du coup, notre loup, approchez-vous un petit peu. Si je le porte, ça va être problématique. Alors notre loup, il se dit, je suis noir, je suis tout noir. C'est moche un loup tout noir. Le noir, c'est même pas une vraie couleur. Le noir, ça ressemble à rien. Le noir, c'est noir comme un cafard. On n'aime pas les cafards. Alors pourquoi on aimerait le noir? Et puis le noir, c'est comme la nuit. La nuit noire, c'est moche. Ouais, il y a bien des petites étoiles, c'est vrai, mais la nuit, personne n'a envie de sortir la nuit. La nuit, on dort. Le noir, c'est moche. Et puis, noir, ça fait un peu peur aussi. Ça fait penser aux chauves-souris, qui sortent d'ailleurs que la nuit quand il fait noir. Ah, si je fais peur, je vais pas trouver d'amoureuse. Et puis vous savez quoi? Il y a pire. Noir, c'est la couleur des crottes de biquette. Bah! En plus, ça sent mauvais. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Non, ça va pas du tout. Il faut trouver quelque chose. Alors notre loup, il part se coucher tout triste. Et lundi, quand il se réveille, lundi, il a une idée. Il se dit, attends voir un petit peu. Quand j'ai refait ma cuisine, quand j'ai repeint toute ma cuisine, il me restait un petit peu de peinture verte. Ça, c'est une chouette idée. Je vais devenir un loup tout vert. Alors il fonce dans ses placards, il récupère son gros pot de peinture dégoulinant de peinture bien verte et il se badigeonne tout le corps. Il se badigeonne jusqu'à devenir un loup tout vert. Il se regarde dans la glace. C'est pas terrible, hein, un loup tout vert. Ça me donne mauvaise mine. C'est pas pour moi. Et puis le pire, c'est que tout vert comme ça, quand je vais aller me promener dehors au bord de l'étang, si ça se trouve, des amoureuses, je vais en trouver plein. Mais des amoureuses toutes vertes. Des grenouilles! Toutes les grenouilles vont tomber amoureuses de moi! Je suis un loup, moi! Un loup noir! Enfin, maintenant, un loup vert! Mais un loup, c'est méchant! Ça peut pas tomber amoureux d'une grenouille! C'est n'importe quoi! Ça va pas du tout! Donc finalement, notre loup, il va se coucher tout vert. Mardi matin, il a une idée.
Il se souvient? Il se souvient que sa mémé adorée, lui a tricoté un joli pull rouge. Il adore son beau pull rouge. Alors notre loup, eh ben, il l'enfile. Il met son joli pull rouge. Il se regarde dans la glace et puis, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce pull rouge! C'est ma mémé qui me l'a tricoté. Il est fier, le loup. Mais quand il se regarde une nouvelle fois dans la glace, il se dit, mais ça va pas du tout en rouge. C'est n'importe quoi. Qui est-ce qui est tout le temps habillé en rouge? Bah, le Père Noël. On va me confondre avec le Père Noël si je m'habille en rouge. C'est n'importe quoi cette histoire. Le Père Noël, il est gentil et moi, je suis un loup méchant. C'est n'importe quoi, je peux pas rester en rouge. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. En plus, moi, je déteste Noël. C'est n'importe quoi. Bon, faut trouver autre chose. Oh, non. Notre loup, il va se coucher, il a enlevé son beau pull rouge. Et puis le lendemain... Le lendemain, il a une idée. Il va chez le fermier et il va lui piquer toutes ses roses dans le jardin. Il lui pique toutes ses fleurs. Alors bien sûr, il fait attention hein, pour pas que le fermier l'attrape. Et puis, une à une, tic, 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 il enlève toutes les fleurs roses du jardin. Et vous savez ce qu'il fait? Eh bien, avec toutes les pétales de roses, il se les colle sur le corps. Je vais être drôlement beau en rose. Mais quand il se regarde dans la glace, ah, habillé en rose, je ressemble à une princesse. Mais ça va pas du tout, ça, je suis un loup, pas une princesse. On n'a jamais vu un loup déguisé en princesse. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Faut trouver autre chose. Je m'excuse, hein, il y avait des... Désolé, hein. Non, ça c'est pas le problème. J'ai l'air bête. Voilà pourquoi je ne pouvais pas présenter le livre. Il est là, le jeudi. Il est là. Merci. C'était pas prévu comme ça. Hein. Donc jeudi, notre loup a une nouvelle idée. Il se dit, si jamais je prends un bain glacé, eh ben, forcément, je vais changer de couleur, je vais devenir tout bleu. Et hop, aussitôt dit, aïe, 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 aussitôt fait, notre loup plonge dans une baignoire d'eau glacée. Qu'est-ce qu'il fait froid? Qu'est-ce qu'il fait froid? Qu'est-ce qu'il fait froid? Il reste pas longtemps parce que c'est drôlement froid, mine de rien. Quand il ressort, il a gagné. Il est tout bleu. Il est tout bleu, mais... Oh, je crois que c'était vraiment pas une bonne idée. Décidément. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Guillaume. Il va se coucher avec une bonne bouillotte. Et le lendemain, il a une idée. Alors notre loup, il est malin. Comme il a été malade... Guillaume, sait qu'il a besoin de bonnes vitamines. Les vitamines, on les trouve dans les oranges. Donc notre loup,
s'achète au marché un gros panier d'oranges. Et il les mange. Une par une, il les mange. Et avec les épluchures d'oranges... Ah bah oui, on va pas là. Avec les épluchures d'oranges, eh ben il fait comme avec les roses. Il se les colle sur le corps. Oui, mais voilà, habillé en orange comme ça. Il ressemble à quoi, notre loup? À un renard. Et tout le monde sait que les loups et les renards, ils sont pas copains. Mais ça va pas du tout, ça. C'est n'importe quoi. En orange, je ressemble à un renard. Les renards, c'est gentil. Moi, je suis un loup méchant. C'est n'importe quoi. Toutes les louloutes vont me fuir. Je vais avoir toutes les renardes de la campagne qui vont venir me faire des bisous. La honte. N'importe quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas. Notre loulou prend un bain pour enlever toutes les écorces d'orange qui s'étaient collées sur le corps. Et il réfléchit encore. Et le lendemain, samedi, il a une idée. Il se dit, les autres couleurs n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être marron. Comment je vais faire pour être marron? Ben, c'est pas compliqué. Les petits cochons, par exemple, ils sont roses. Mais quand ils se roulent dans la boue, eh ben, ils deviennent marrons. Donc, notre petit cochon, il va dans la forêt. Puis ça tombe bien parce qu'avec le temps qu'il a fait toute la semaine, qu'est-ce qu'il a plu? La terre est toute mouillée. Donc, il se roule dedans. Il se roule dans la boue, il se roule et gagné, ça y est, je suis tout. Oui. Bah, je suis tout marron. Ça ressemble à rien. Un loup marron, on n'a jamais vu ça. C'est n'importe quoi. Ça gratte, ça démange. Comment ils font les petits cochons? Ah, est-ce que ça gratte et puis. Piou, ça sent. C'est dégoûtant. Ah, piou. Non, décidément, je peux pas rester en marron. Ça ressemble à rien. C'est moche. J'en ai marre. C'est n'importe quoi. Je changerai jamais de couleur à ce rythme-là. Je suis moche. Notre loulou, il va quand même prendre une bonne douche, hein, pour enlever toute la crasse. Il rentre chez lui, puis oh, il est triste, et puis il en a marre. Il a essayé le vert, il a essayé le rose, il a essayé l'orange. Rien à faire. Il est moche et il ne trouvera jamais d'amoureuse. Comment je vais faire? Il va se coucher. Et dimanche, ça y est, c'est la bonne. Il a trouvé une idée. C'est qui le plus beau des animaux dans la forêt, mis à part lui? Eh ben, c'est le paon. Le paon, il a toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'il est beau quand il fait la roue. D'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est comme ça qu'il séduit les jolis paons. Les paons femelles, les filles. Qu'est-ce qu'il est beau. Ni une ni deux, le loup va dans la forêt et il se trouve un paon endormi. Ça tombe bien, parce qu'il va lui enlever les plumes une par une. Toutes les plumes. Ch'touk, 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 ch'touk. Jusqu'à ce que le paon il se retrouve tout nu. Et avec les plumes, il se fait... un bel habit de fête. Oh, il est beau, le loup, il est beau. Il se dit, ça y est, j'ai trouvé la couleur qui me faut. Je suis un loup multicolore. Qu'est-ce que je suis beau. Bah oui, il est beau, mais...
Mais le problème, c'est qu'il est tellement beau que du coup, quand il est sorti de chez lui, eh ben toutes les louloutes lui ont sauté dessus pour lui faire des bisous. Des bisous le matin, des bisous le midi, des bisous le soir. Il était couvert de bisous, le loup. Ah, il était content, ça, il était content, mais imaginez, il pouvait même plus sortir de chez lui parce que toutes les louloutes l'attendaient pour lui faire des câlins, des papouilles, des bisous. Wow, ça va! D'accord, des câlins, des bisous, des amoureuses, mais moi, je suis un loup, un vrai, quoi! Un vrai loup! Les bisous, les câlins, ok, c'est sympa, mais... nous, on aime chasser, on aime aller dans les bois, chercher les petits cochons. Ah non, non, franchement, franchement, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors finalement, notre loup, il a essayé plusieurs couleurs, mais ça lui convient pas bien. Il aime pas. Alors il enlève les plumes, il enlève son bel habit de lumière et puis... Bah, il va se coucher, quoi. Et le lendemain, quand il se réveille, il est redevenu un loup tout noir. Puis finalement, notre loup, il se regarde dans la glace et puis il se dit, un loup noir, finalement, c'est pas plus mal. Un loup noir, quand ça va chercher les petites poulettes dans le poulailler, eh ben, on le voit pas. C'est drôlement pratique d'être noir. Et puis qui sait, pour attirer les petites louloutes, je pourrais peut-être devenir un super héros. Un super héros de la nuit. Je mettrais un masque comme ça, personne ne connaîtrait mon identité. Personne ne saurait que c'est moi le loup. Mais je serais un super loulou. Ça c'est une super idée. Finalement, c'est pas plus mal d'être tout noir. C'est drôlement beau le noir comme couleur. Pomme de rainette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapi tapi gris. Pomme de rainette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de rainette et pomme d'api, tapi tapi gris. Pomme de rainette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de rainette et pomme d'api. Et mon histoire, elle est finie. Merci. 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 Voilà. Comme ça.